Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyansribal. Ce que vous allez voir dans cette vidéo est classé top secret par l'armée. Mais nous avons décidé de vous le montrer. Juste pour que vous puissiez voir, parce qu'il est important que vous sachiez que ces choses sont réelles. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, il est recommandé de vous abonner. Et cliquez sur j'aime pour donner de la valeur à cette vidéo afin qu'elle soit top au top du top sur YouTube. Ah, est-ce que vous êtes prêts à voir ça? Ça va vraiment être chaud. Tous ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin seront même surpris. Il faut que nous vous disions quelque chose d'abord pour commencer. Il y avait une explosion. Et de cette explosion qui s'est produite sous l'eau, cette explosion a amené les baleines, ça a fait les habitants de l'eau à se réfugier sur la plage. Et parmi les habitants de l'eau qui sont venus se jouer sur la plage, il se trouvait une créature étonnante que deux personnes, deux enfants ont vu. Ces deux garçons-là, ils allaient juste sur la plage, juste comme vous et nous. Et quand ils sont arrivés sur la plage, ils ont vu, soyez prêts à voir ça, ils ont vu ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça, mes frères? Regardez bien. Ils ont vu une sirène. Et ils l'ont même filmé. Hein? Nous allons juste vous montrer la vidéo. Vous serez même surpris. Vous serez même surpris. Dans le témoin puissant précédent, un homme nous a révélé que lui, il a été capturé par une sirène. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Elle apparaîtra à la fin de cette vidéo, sur l'écran ici ou là. Voilà, vous pouvez tout simplement regarder directement ce témoin puissant et découvrir ce que vous devez découvrir. Mais avant de voir cette vidéo, suivez-nous, nous allons vous montrer quelques images encore qui vont nous aider à comprendre cette histoire que d'autres comprennent et d'autres pas. Qu'est-ce que c'est qu'une sirène? Une sirène ressemble à ça. Une très belle femme aux cheveux très longs avec une queue de poisson. Et elle est réelle. Je l'ai vue. Je l'ai vu, sérieux. Mes frères et sœurs, ils les ont vus. Ils ont même filmé. Et aujourd'hui, personne ne peut nous dire que ces créatures n'existent pas. Regardez ça. Qu'est-ce que voyez-vous ici? On voit une sirène qui est juste là dans l'eau et qui essaie de jouer avec un dragon. Et puis là, on voit encore une autre sirène qui est ici, qui est vraiment carrément venu sur la plage juste pour prendre l'air. Et là, on voit encore une femme. Elle est humaine. Et elle essaie juste de s'habiller comme une sirène, de se positionner sur l'eau. Parce que, premièrement, elles aiment les sirènes. Et elles se disent que les sirènes sont tellement belles qu'elles-mêmes, elles peuvent ressembler aux sirènes. Mes frères et sœurs, regardez. Waouh! Regardez encore ça. Une autre sirène. La plupart du temps, on nous présente dans les dessins animés les sirènes, tous ces genres de choses. Et les sirènes sont comme des poissons. En fait, c'est la partie inférieure là que comme le poisson. Elles n'ont pas de pieds. Regardez ça. Ça, ça devient visible. Et ça devient vraiment plus clair, plus clair. Plus clair que clair. Regardez ça. Ça, c'est extraordinaire. Et ça m'étonne. Ici, on peut voir clairement que c'est une femme qui s'est carrément déguisée en sirène qui est là. Mais laissez-nous vous dire qu'une sirène ordinaire n'est pas loin de ressembler à ça. Ce que vous voyez à l'écran, c'est exactement la même chose. Maintenant, vous allez poser la question de savoir mais où les gens l'ont vu pour la première fois et qui sont les gens qui l'ont vu. Qui sont les gens qui l'ont vu? C'est la bonne question. Ceux qui ont pu voir cette femme-là, ce sont les gens qui ont reçu des connaissances interdites. Ce sont des connaissances qui sont censées être très cachées.
et que seuls les gens qui décident d'être amis avec le diable ou avec ces esprits-là, parce que ce sont les démons qui ont pris la forme de telles sirènes, seuls ces gens-là peuvent entrer en contact avec de telles créatures. Et quand ils les ont vus, ils ont décidé de les rendre honneur, de les rendre hommage. C'est pourquoi ils ont décidé de nous faire de ces dessins animés où on parle des sirènes. Quand vous voyez des dessins animés où on parle des sirènes, c'est tout simplement pour rendre hommage à la sirène qui est adorée même dans les dessins animés. Parce que derrière un dessin animé, il y a un esprit. Même vous pouvez voir quelqu'un, il chante sa musique et il chante, il dit Mami Wata. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un, il chante. Et dans sa chanson, il chante pour une femme qu'il appelle même Mami Wata. En Afrique, une sirène, on l'appelle Mami Wata. En Occident, on appelle une sirène tout simplement. Et cet homme, il chante et il dit, il chante pour Mami Wata. Et effectivement, dans sa chanson, on peut voir que dans son clip, une sirène est là et elle est exactement comme ça. Si vous pensez que c'est de la blague, regardez bien. C'est à peu près comme ça. Qu'est-ce que vous verrez la vidéo tout de suite? Et c'est réel. C'est réel. C'est vraiment plus réel que réel. Est-ce que vous aimeriez voir cette femme-là? Elle se présente même à certaines personnes, même dans leur sommeil, dans leur rêve. C'est exactement ça. Ne négligez pas le fait que un homme peut être une sirène. Il y a des sirènes hommes qu'on appelle les tritons. Ici, c'est un homme de ce monde qui a décidé de rendre hommage à cet esprit qui est un démon en se représentant lui-même ou en se faisant passer lui-même pour un triton. Et il allait heureux. Vous pouvez dire que c'est de la blague. Ce sont les choses des esprits. On ne blague pas avec de telles choses. On ne cherche pas à faire plaisir au monde entier juste en s'habillant comme ça. Faites très très attention. Et cette sirène-là, elle est réelle. Regardez comment elle est venue se jouer là sur le rocher. Et elle est là, juste là, comme ça, en train de regarder tout ce qui se passe autour d'elle. Vraiment, c'est assez étrangissime. Et quand je la vois comme ça, je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Regardez là, ça m'étonne. Et encore ici, les gens même adorent la sirène. Regardez ça, ils adorent la sirène. Ils rendent même un culte à ces sirènes-là. Et ils sont connectés dans l'eau, ils sont connectés aux eaux. Parce que la sirène, c'est un esprit des eaux. Est-ce que vous comprenez? Un esprit des eaux. Vous voyez? Parfait. Et quand on parle d'esprit des eaux et que les gens décident de représenter les sirènes comme ça, c'est qu'ils sont en train d'adorer un esprit des eaux. Regardez comment elle est. Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais ce genre de choses-là existent. Quand vous allez sur Internet et que vous faites des recherches sur les sirènes, on vous dit que les sirènes, ce sont des créatures qui sont vraiment pas du tout gentilles. Et ce sont des créatures qui tuaient les gens qui sont sur les bateaux, comme on les appelle là, non? C'est-à-dire ceux-là, par exemple, sont sur les bateaux et ils arrivent. Elle est ici, elle le voit. Elle doit tout faire pour les avoir. Parce que elle, son travail, c'est de les attirer vers elle par sa beauté afin de les tuer et les dévorer. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui même dans le monde. Les vêtements sexy que nous voyons là, c'est fait pour faire quoi? Pour séduire. Et elle est la source de tous ces vêtements sexy, d'après les informations que nous ont donné des ex-satanistes. Même dans le témoin puissant qui va venir après cette vidéo, un homme va nous expliquer ce genre de choses-là. Vous serez même surpris. Restez connectés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour la TV et laissez j'aime pour que cette vidéo soit au top du top. Mes frères et sœurs, regardez ça. Une sirène est réelle. Et elle va les séduire parce qu'elle est très belle. Et quand ils vont s'approcher d'elle, ça va être chaud, hein? Parce qu'elle va tout simplement les bouffer et on a pu les retrouver. Est-ce que c'est réel? C'est réel. Et elle peut avoir des enfants. Ici, vous la voyez, elle avec sa fille. Regardez comme elles sont belles.
Wow, c'est beau, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Elle peut avoir des enfants, mais sa fille a une queue aussi comme elle, une queue de poisson, comme vous pouvez le voir même à l'écran. Et ces genres de choses sont réelles. Pourquoi a-t-elle des jambes ici? C'est la question que vous vous poserez. Si elle a des jambes ici, tout simplement, mes frères et sœurs, nous allons vous dire que c'est la magie. Elle obtient des jambes que lorsque elle fait des invocations. Lors des invocations, elle a des jambes. C'est quand elle se trouve dans l'eau, doit nager, tout ça, qu'elle peut avoir la queue de poisson. Sinon, elle peut se transformer en une belle femme. Une femme très belle avec une robe comme ça pour venir dans ce monde même. Ce que vous allez remarquer sur elle, c'est qu'elle aime mettre beaucoup de parfums, même des parfums de différentes odeurs. C'est pourquoi on demande aux femmes de faire vraiment beaucoup attention aux parfums, parce qu'il y a même des parfums qui sont voués aux démons et même à des sirènes. Il y a un parfum qui s'appelle carrément parfum sirène. C'est réel, faites des recherches. Regardez encore, c'est réel. Ici, nous allons aller le mettre dans une autre dimension où nous allons voir cette vidéo qui a été filmée dans la vie réelle. Je dirais même des vidéos. Pendant que nous préparons le dispositif ici sur l'écran, commencez déjà à laisser des j'aime. Partagez cette vidéo. Ce que vous n'avez pas encore fait, faites-le maintenant pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Vous serez même surpris. Vous serez même plus surpris que surpris. Moi-même, je suis le premier, même plus surpris. Parce que ce que nous venons de voir, vraiment, on parle de ça toujours ici, Seigneur Scobon. Mais je ne pensais pas que ce serait vraiment vérifié un jour. Et que finalement, on trouverait une réponse. Regardez le camp. Que voyez-vous? Ah, mais on ne voit rien! Sérieux? Tu vois rien? Ok! Tu as raison. Mais regarde ça. Waouh! Vois-tu quelque chose encore? Que vois-tu? On voit la broussaille qu'elle a, la forêt, qu'est-ce qui ne va pas? On voit de l'eau. Mais où est-ce qu'on se trouve? On se trouve sur la plage. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur la plage aussi? Une chose même insolite. Mes frères et sœurs, tenez-vous bien, tenez-vous bien. On peut aussi trouver ça. Regardez bien. Là, il y a quelque chose. Est-ce que vous voyez la chose qu'elle a? Regardez très bien, mes frères et sœurs, regardez très bien. C'était filmé à distance. C'était filmé à distance, regardez. À distance, c'était filmé. À distance, ne vous inquiétez pas, c'est un peu fou, mais c'est normal. C'était filmé à distance. Elle est là, elle est ici, elle est ici. Elle est ici en train de prendre de l'air. Si regardez, on voit la queue même qui est en train de bouger. On filme. Oh, on va se rapprocher un peu. La caméra va se rapprocher. Il faut qu'on monte aux abonnés. Oh, elle a bougé sa tête. Une sirène filmée dans la vie réelle, ça m'étonne. Je suis même le premier à être surpris. Le premier à être étonné. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Est-ce que vous voyez mes frères, s'il vous plaît? Regardez. Wouh! Qu'est-ce que c'est? Regardez où le doigt se trouve, où mon doigt se trouve. Regardez mon doigt, regardez mon geste. Oh! Elle est carrément sur la plage. Elle se tourne. Oh, mes frères et soeurs, elle se tourne. Et tout le monde la filme. Elle est là. Elle était filmée par des gens. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens prennent les selfies, tout ça. Et regardez, ils ont filmé une femme poisson sur la plage. Une femme poisson sur la plage. Ils l'ont filmée. Regardez, regardez ce que ça donne. Regardez, regardez ça. Regardez ça. Que se passe-t-il? Ça m'étonne, mes frères et sœurs. C'est étonnant. C'est carrément hallucinant. Regardez ça. Waouh! Le croirez-vous si vous avez raconté? Peut-être que quand vous racontez sous forme de témoignage que les images ne sont pas là. Beaucoup de personnes doutent un peu. Ce sont des choses, chez nous, on dit qu'il faut croire sans avoir vu. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir. Ce sont des vidéos très rares, mais ce sont des vidéos qui ont été capturées dans la vie réelle. Et retenez-vous bien, nous allons vous montrer encore une autre vidéo. D'après les informations, on nous a dit que c'est une vidéo qui représente une sirène capturée dans la vraie vie. Vous allez voir même la sirène. Regardez comment déjà même l'eau est en train de monter sur sa queue. Oh, c'est quand même inquiétant, c'est quand même hallucinant. Ne vous inquiétez pas, nous allons maintenant vous montrer cette vidéo là.
cette vidéo où on voit carrément des gens Confucius filmer une sirène. Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est vrai? Ce qui est sûr, c'est que cet homme même qui est là dans le noir ici, c'est un homme qui est dans l'armée. Et il a expliqué cette histoire-là. Où des jeunes gens sur la plage, que ce soit, ils sont venus sur la plage en train de courir. Et tout de suite, ils sont tombés sur une image incroyable. Ils ont même pris leur portable pour filmer. Revenons juste un peu en arrière. Ils couraient. Ils allaient juste sur la plage comme ça. Et ils sont tombés sur une image inquiétante. Et vous avez vu, il a pris son portable pour filmer. Vous allez voir tout de suite. Nous allons vous montrer les images. Vous allez voir. Ils viennent sur la plage. Ils ne savent même pas à quoi ils vont s'attendre. Et c'est là. Ils vont voir. Un truc pareil. Donc, il a pris son portable juste pour filmer la scène. Voyez-vous, pour filmer la scène, pour que tout le monde puisse voir qu'est-ce qu'ils ont découvert là. Ils ont vu une femme poisson sur la plage qui était là. Ah! Et c'était une information ultra confidentielle. Ils n'étaient pas censés voir ça. Donc, l'armée a décidé de leur fermer la bouche, de demander à leur mère. Leur mec est ici, de la forcer à mentir sur ce qu'ils ont vu. Juste à mentir sur ce qu'ils ont vu. Pour ne pas que les gens sachent que ce genre de choses existent et que ce sont des formations gardées uniquement que par l'armée qui se charge de la mer, des océans, comment on les appelle. Vous connaissez le nom. Mais regardez. Et ils étaient en train de discuter avec eux juste comme ça pour qu'ils puissent tenir l'information. Cet homme est en train de révéler que. Effectivement, ces enfants avaient vu quelque chose et on les a fait taire, on leur a demandé de ne pas dire ce qu'ils ont vu, mais en réalité, ils ont vu ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vu, c'est une femme poisson qui est venue se jouer sur la plage comme ça. Ça veut dire que c'est réel. Et pourquoi les gens ne veulent pas qu'on sache ça? Quel est le problème? Quel est le problème? Moi, aujourd'hui, nous commençons à comprendre. Avec même les témoins des ex-satanistes qui arrivent. Il y a vraiment une chose qui se passe. Mais je vous montre encore une autre vidéo qui va vraiment vous étonner. Où on nous montre une sirène qui a été filmée dans la vraie vie. Vous serez même surpris. Est-ce que vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, vous ne pouvez plus vous abonner deux fois. On s'abonne juste une seule fois. Voilà, on s'abonne une seule fois. On clique si j'aime une seule fois. Et on se prépare parce que ce qui va suivre va être extraordinaire. Vous serez même surpris parce que vous allez voir. Est-ce que vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Nous sommes chauds. Est-ce que vous êtes chaud? Si tu n'as pas chaud, sois chaud! Nous sommes signés en ce. Regardez ça. Quoi? Encore un écran qui est noir? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça, mes frères et sœurs. Attends, nous devenons fous ici. Est-ce que c'est une sirène qui fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous nous voyez? Oh, pourquoi la caméra est fou? Laissez-nous montrer aux abonnés des vraies choses. Alors, soyez concentrés. Parce que ça va être chaud. Une sirène, on dit qu'elle était filmée dans la vraie vie. Regardez ce que ça donne. Elle était nagée dans de l'eau là comme ça. Aïe. Elle était nagée. Oh, et puis la caméra était à filmer, elle est là-bas. Qui l'aurait cru? Regardez comment. Oh. Elle lève sa queue. Regardez, revenons juste un peu en arrière. Revenons encore en arrière, vous allez la voir. Faut pas des sirènes. Les poses d'une sirène, de l'existence d'une sirène. Regardez comme elle est. Ah. Est-ce une vraie sirène? D'après les informations qu'on a reçues, on nous a dit que c'est réellement une vraie sirène qui a été filmée dans la vie réelle. Regardez comme elle est. Et elle nage même. Elle nage. Elle est même en train de nager. Elle soulève sa queue. Et tout le monde la regarde. Tout le monde la regarde. C'est devenu comme un spectacle. C'est devenu comme un spectacle. Est-ce que vous le voyez encore? Revenez à l'arrière. Vous allez voir, mes frères et sœurs. Vous allez voir. C'est pourquoi nous sommes là. Des telles vidéos, si vous les aimez, partagez la vidéo au maximum. Les gens doivent voir les choses, les gens ne croient pas même à ces choses. N'importe quoi, c'est juste des films, on voit, mais c'est réel. Regardez encore ça. Waouh! C'est une vidéo que nous venons de découvrir avec vous. Nous avons décidé de vous la partager pour que vous puissiez juste voir, même croire.
que tout ce que on nous révèle, même si on est souvent, sont justes et vérifiés. Tu peux voir tout pareil, t'as dit, oh, ce sont les poissons, mais vois ça. Oh, les poissons comme ça, même peut-être même tu en manges chaque jour. Mais quand on parle d'une femme poisson, tu te poses une question. Et la question que tu te poses est, mais depuis quand Dieu a-t-il créé une femme pour la mettre dans l'eau? Depuis quand Dieu a-t-il créé une femme pour la mettre dans de l'eau? Ah! Si nous tous, on devait aller vivre sous l'eau, on allait aller vivre là-bas? Dieu allait nous créer et nous positionner juste là-bas comme ça, comme si de rien n'était. Mais dans quel coup, une femme s'est retrouvée dans l'eau comme ça? Qu'est-ce qu'elle fout là? Hein? Qui est que t'es généralement dans les dessins animés, on pourrait nous montrer tout pareil. Mais comment se fait-il que si n'y a ce... Aujourd'hui, nous retournons tout pareil. Mes frères et sœurs, je ne m'attendais même pas à tout pareil. C'était pas prévu. Mais nous sommes tombés sur cette vidéo-là. Et nous avons traité rien que pour vous. Alors dites-moi dans la partie commentaire. Dieu a-t-il créé une femme pour la mettre dans l'eau? Oui ou non? Que tous ceux qui pensent que Dieu a vraiment créé une femme pour la mettre dans l'eau crient et ils écrivent oui dans la partie commentaire. Ainsi, je saurai combien de personnes ont voté pour oui. Ceux qui ne croient pas à ça et qui ne pensent pas que Dieu a créé une femme pour la mettre dans l'eau, vous écrivez non. Mais dans la partie like, vous devez tous cliquer sur le like afin que cette vidéo ait de la valeur et soit au top du top sur YouTube. Là, vous comprenez le jeu. Dès que vous venez sur une vidéo sur Instagram, j'aime d'abord, regardez la vidéo, mettez dans la partie commentaire et dites tout ce que vous avez envie de dire. On vous écoutera. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Ne manquez pas de vous abonner sur nos trois autres chaînes. Juste en cliquant sur Yansouban, vous allez voir Yansouban 2, Yansouban 3 et Yanks TV. Ce sont trois logos extraordinaires. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Prenez soin de vous.